Hey, bonjour à tous et bienvenue pour le sixième jour de l'aventure à Los Angeles, évidemment. Attends, il y en a qui veut passer, je suis en plein milieu de la route. Et donc, aujourd'hui, nous allons à Santa Monica. Voilà, sa plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Non, oh là là là. Il y a du monde, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui. Il fait beau, il fera moins chaud qu'hier. Hier, il faisait au moins 32 degrés. Aujourd'hui, normalement, il a prévu 24 degrés. Donc ça va aller mieux. C'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là pour aller à la plage. Il fera moins chaud. Donc ça va être énorme, Santa Monica, depuis le temps que je voulais y aller. Voilà quoi. Donc là, il est 8h du mat. Et on va pas tarder à y aller à Santa Monica. Putain, il est déjà 8h du mat, mais ça sent trop bon. Il y a des restaurants qui sont déjà ouverts. Je pense qu'il n'y a pas d'heure pour manger ici. Ah, ça a l'air bon là. Donuts là, ici là, il y a un truc de donuts. Derrière, il y a un truc de tacos. Et plus loin, il y a un truc de burger. Voilà, hey, je vais aller par là pour changer un peu. J'espère que je vais pas me perdre. Ça serait cool, je pourrais même pas dire où je dois aller. Je connais même pas la route et je vais en direction je sais pas où. Bon, hey. Sherwin Williams. Et d'ailleurs, demain, nouvelle destination, c'est à Williams qu'on va y aller. Donc Williams, une petite ville de campagne en fin fond des États-Unis. J'ai trop hâte d'y aller. Vous allez savoir pourquoi, mais je ne vous dirai pas pourquoi on va y aller là-bas. C'est une grande surprise. Mais ça va être magnifico. Là, vous voyez dans ce coin-là, il y a vraiment beaucoup d'hispaniques. À savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'hispaniques. En plus de ça, il y en a qui parlent vraiment espagnol. Donc on comprend rien des fois. Il y en a qui parlent même pas anglais. Ils parlent espagnol. On leur parle anglais et ils nous répondent en espagnol. Donc des fois, c'est un peu compliqué de comprendre, surtout dans ce coin-là. Par contre, beaucoup de Chinois aussi, vraiment beaucoup de Chinois, et on voit pas beaucoup de Blacks et tout, donc c'est bizarre quand même. Ou alors ils sont dans leur coin, mais je comprends pas. Il y a beaucoup de Chinois et beaucoup d'Hispaniques depuis qu'on est arrivé, même à San Francisco, pareil, beaucoup de Chinois à San Francisco. Donc ça y est, on arrive à Malibu. Pamela, t'es où? Pamela, ho ho. Non, au fait là, on va manger dans le restaurant du premier Fast and Furious. Moi je dis mal, hein, Fast and Furious, à chaque fois il rigole derrière. Fast and Furious. Et c'est le restaurant qui est là. Et c'est bien représentatif de GTA aussi, parce que GTA il est là aussi. Franchement, ça fait plaisir. Je mettrai la photo là où il y avait le premier Fast and Furious, là où ils ont mangé carrément ici. Fast and Furious. Fast and Furious. Mon anglais. C'est pas de l'anglais ça. My English is bad. Voilà. Oh là là, je suis trop content d'être ici. Putain, il y a la mer là et je vais vous filmer un peu le restaurant et tout, et même prendre en photo. Mais par contre, sur GTA, il est en bois, non? Non? Il est en bois.
filme aussi les toilettes. Elle est connue cette toilette là. C'est les toilettes. Tu y vas si tu vois un film gris. Peut-être, ouais, qui sait. Regarde les lunettes. Tu filmes ta bouffe. On dirait une influenceuse. Ouais, t'as vu? Et ça a l'air trop bon ça. Donc là, ça doit être à Fabien ça. Là il y a du bacon. Il y a du bacon. Ouais, j'avoue. Ça doit être à toi. Franchement, c'était très bon ce restaurant où on a mangé, là où Tom et Brian ont mangé d'en face d'Emporius le premier. Moi, j'ai pas tout mangé parce qu'il y avait, je trouve, il y avait beaucoup de sauce dans mon burger. Voilà. Mais il y a un morfal là, Fabien qui a fini mon plat. Mais voilà, la viande était exquise, j'ai vraiment adoré. Voilà, mais franchement, manger ici, c'était un plaisir. Et en plus ça, c'est en face de la mer, donc il y avait une belle vue. Ouais, on va pouvoir chier aisément maintenant. Oh là là, ça y est. Les cons, celui-là. Surtout toi, hein, t'as fini mon plat. Hein. Donc, je suis pas une petite bite. N'importe quoi. Donc voilà, bon allez. Ça y est, nous sommes arrivés à Santa Monica. Depuis tant que je voulais y aller, putain, ça fait plaisir. On voit de là-bas, là, mais je sais pas si on voit en vidéo, mais on voit qu'on est à Santa Monica et on s'est garé juste ici. Je te donne un indice. Voilà. Donc pareil. Il y a le banc de Forrest Gump. Donc je vais m'asseoir dessus, hein, c'est sûr et certain. On l'a déjà fait. Hein. Oui, vous, mais pas moi. Bah si. T'as même enlevé tes choses. Oui, mais là-bas. La jetée à San Francisco, c'est la même chose. Non, oui, mais c'est l'officiel, celui-là. C'est l'officiel, l'autre. Oui. Là, c'est juste un autre. Hein. Ah ouais, c'est un autre. Bon, c'est pas grave. Ça fait stylé quand même. Hein. Je vais prendre une toffe, moi aussi. Ouais. Quoi? Elle a poil ou quoi? Genre, moi je veux prendre, mais ça sera pas sur YouTube. Oh mince. Joël est en string. Mais c'est ouf. Wow. Oh, non, mais si. C'est des ouf ici. C'est comme j'imaginais, franchement, pour ceux qui n'ont jamais fait GTA, évidemment, tout le temps en jeu. C'est comme j'imaginais, depuis tant que je voulais. Là, on va faire un peu le tour.
peu vraiment content quoi. C'est vraiment trop cool. Ouais, la musique dans la danse. Tin 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 tin. Des churros. Wow. Bon là il y a tous les trucs de souvenirs et il y a un truc d'arcade, je sais pas si on a le droit de filmer. J'ai envie d'appuyer. Ça donne envie d'appuyer. Regarde Pikachu, tu veux pas avoir un Pikachu? Hein? Voilà. Ah, des trucs en virtuel. Avec les lunettes. Oh c'est énorme. Oh là 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 là. Ça doit coûter cher ça, non? Ça doit coûter cher. Wow. Je pensais pas que c'était comme ça en vrai. Je savais même pas qu'il y avait un truc d'arcade. Il y a plein de jeux, c'est ouf. Wow. Là c'est des souvenirs là. Le panneau de route 66 est derrière toi. Ah merde, où ça? En gros là. Santa Monica 66. Hein? Tu vois pas? Ah c'est là-bas, mais après alors. Parce que... En plus c'est assez gros. Ouais. En fait ici c'est la fin de route 66 donc je vais filmer après le panneau. C'est là exactement que ça s'arrête, la route 66 justement, mais je vais filmer après. Là on va dans une boutique de souvenirs donc je vous coupe tout de suite. Je mets là, je fais voilà, j'ai acheté un truc pour mon père et c'est à l'envers. Non, c'est pas l'envers, c'est sur la caméra, on dirait que c'est à l'envers. Voilà, un truc Joël avec Santa Monica. C'est vraiment... Bon, hein, c'est rien, mais voilà, il y avait Joël, j'ai dit bon, allez, je prends pour mon père. Et voilà, nickel. Un truc pour ma famille, je mets de côté. Et au suivant, je sais pas, normalement quand j'attends plus tard pour les cadeaux de ma mère et de toute ma famille. Mais là j'ai vu Joël, j'ai pris. Voilà. C'est vraiment touristique hein, évidemment comme Hollywood Boulevard.
Regardez, regardez, c'est magnifique derrière, avec la fête foraine juste derrière. Putain, il y a vraiment de monde. Hein. Je fais vite parce qu'on m'attend derrière. Je voulais aller à la jetée pour marquer le coup, évidemment. Parce qu'ils veulent repartir, donc je fais vite. Par contre, il y a beaucoup de monde. Wow, c'est rempli. C'est vraiment représentatif. C'est énorme. Putain. Ah ouais. Mais oui, comme j'ai dit au début, quand on est arrivé à Los Angeles, j'ai dit que on va parler beaucoup de GTA. Donc le jeu de GTA. Parce que voilà, déjà mes amis veulent voir. Ils veulent voir carrément. Mais c'est vraiment représentatif, c'est énorme. Oh, c'est là où on gardait les. On mettait les motos dans GTA. Attention au droit d'auteur, il y a la musique de Fast and Furious. Quand malheureusement, voilà, Paul Walker n'est plus là, évidemment. C'était un hommage à cet homme, Paul Walker. Mais en tout cas, c'est magnifique la vue derrière aussi, avec les manèges. Là, nous sommes juste devant le lycée de Tim Wolf. Franchement, ça fait plaisir. Je suis en train de faire des photos en même temps et en même temps faire des vidéos, tu vois. Oh là là. Dommage, on peut pas rentrer dedans, mais il y a des grillages partout. Mais nous sommes juste devant le lycée de Tim Wolf et ça fait plaisir. Regardez. Oh là là, énorme. Ouais, pareil. Il y a des gens qui sont dans le coin partout là. Faudrait bien prendre pour n'importe quoi. Ouais, c'est une grosse pièce. Ferme la lumière. Bon, il y a Tracy qui est parti voir la maison de Dylan. Dylan de Tim Wolf. C'est une grosse, grosse pièce en vrai. C'est vrai, non? Ouais. Et donc là, on est dans un quartier riche et j'ai trop peur en vrai. Ils vont croire qu'on est des paparazzis. Je jure. Avec ma caméra en plus. Et donc elle va prendre une photo justement de la Jeep. Parce que, pour information, Dylan de Tim Wolf a eu le véhicule, donc sa Jeep, qui est dans la série. Et donc on est dans son quartier là, mais. Il y a trop de monde et en plus de ça, on dirait des riches. Oh là là. Elle est folle. Je serais devant chez mon idole, je ferais la même chose. Ouais, bah moi, mon idole, il est là-haut. Oh. Ouais, je vais couper la caméra parce que. Ils vont croire qu'on est des paparazzis. Vas-y. Allez, on coupe.
Dès que t'en as fini avec ta caméra, au pire, tu la mets dans la caisse, non? Ouais. Ça évitera... Ça, je vais dire, je vais faire mon outro quand on va arriver. Bon, voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, franchement, c'était sympa Santa Monica. Franchement, j'ai adoré. Après, nous sommes allés au lycée de Team Wolf. Par contre, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, c'était vite fait. C'était pour prendre des photos, etc. de l'entrée du lycée de Team Wolf. Et puis, nous avons attendu le soir pour aller dans le quartier de Dylan de Team Wolf aussi. Et vu que Tracy adore Dylan, donc elle a été toute seule, elle a été voir s'il y avait la Jeep. Il n'y avait pas de Jeep, malheureusement, je pense qu'elle était dans le garage. Voilà, donc malheureusement, elle n'a pas pu voir. En plus de ça, elle a sonné à la porte de Dylan, mais rien. Donc je pense qu'il n'était pas là. Et donc, voilà, donc c'était bien. Donc demain, pour vous la semaine prochaine, demain nous partons, ça y est, la Californie c'est terminé, nous allons en Arizona, voilà, on part pour Williams pour une nuit, et puis après nous allons à Page, donc et après Page normalement c'est donc Las Vegas, voilà, donc vous savez un peu notre itinéraire. Et puis après Las Vegas, on repart à San Francisco, donc on aura 10 heures de route. Et puis après, on repart en avion. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'était terrible, franchement. Donc demain, on part pour 6 heures à Williams, voilà, donc en Arizona. Allez, mettez-moi un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.